stop the duck calls. I think it's enough. C'est pas assez. Les poumons, ça vient de m'exploser. Faut que je me remette à l'exercice. Oh man, look at this one. What a beautiful duck. Hey, yes! Chut! Tu vas faire peur notre canard? Quoi, un canard? Où ça? Juste there. Mais c'est pas un canard, ça, c'est un grève esclavon. Hey, vous pensez pas venir chasser ça ici cet automne, vous autres? Why not? It's a duck like another. Ben non, justement, c'est une espèce en voie de disparition. Il en reste à peu près 10 côtes aux îles de la Madeleine, pis c'est la seule place dans toute l'Est de l'Amérique du Nord qu'on la retrouve. Ok, ben, comment se fait beau le collant d'abord? Mais regarde comme il faut, là. Lui, là, son bec, il est pointu, pis le canard, le sien, il est plat. Mais en été, c'est super facile de le reconnaître. Il a la tête toute noire, pis il a deux grandes touffes de plumes dorées qui vont jusqu'en arrière de la tête. Pour moi, il se prépare pour passer la même carrière. Non, non, il fait ça pour attirer la femelle. Puis comme il reste plus beaucoup dans le bout, mais il est mieux de pas manquer sa shot. Ça fait qu'organisez-vous pas pour venir en tuer une par erreur, là. T'en fais pas. Habillé de même, on le manquera pas. Mais venez, on va le voir. Ben, j'espère, parce qu'en plus, l'automne, là, il est pour faire exprès, il change de couleur. Il perd ses petites plumes, puis il est juste noir et blanc. Par contre, ses yeux, ils restent rouges. On peut le reconnaître comme ça. En plus, il donne pas de chance, c'est juste à côté de son nid. Ben, il est toujours chassé à côté de son nid. À son nid. Pas son nid, son nid. Oh, son nid! Oui! Quoi? Alors, notre gabion flotte, tu vas me faire croire que son nid flotte aussi? Ben oui, il fait un nid dans l'eau, puis si tu le fais chavirer, là, man, bye bye les bébés, là. Oh, look! A duck with two heads! Cause-tu nid autour de terre? Non, 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 ça c'est une maman avec son petit sur son dos. Il y en a un plus dans la gang! La biodiversité est semblable aux fondations d'une maison. Chaque espèce représente une brique, et les relations qui les unissent sont le mortier. Si l'on fragilise la fondation, elle risque à tout moment de s'écrouler. Malheureusement, on ne sait pas combien de briques existent, ni même quel est le minimum nécessaire afin de supporter la vie. Certaines espèces sont même des espèces clés, et leur disparition risque d'entraîner avec elles d'autres espèces dans une réaction en chaîne. N'oubliez pas qu'une espèce en péril veut aussi dire qu'il est encore temps d'agir. Forecaster, attention across the tier. Grosso modo, ce qu'il veut dire, c'est Asta, fais attention à ce que tu dis. Le best.